Le retour de Youssef Belaïli en équipe nationale d'Algérie est un sujet qui enflamme les débats depuis plusieurs semaines. Sous la houlette de Vladimir Petkovic, le milieu offensif n'a jamais été convoqué malgré ses belles performances avec le MC Alger. Cet été, Youssef Belaïli a quitté le Mouloudia d'Alger pour signer son retour à l'Espérance de Tunis. Le joueur n'a pas encore disputé de match officiel avec son nouveau club et ne s'est distingué que par un nouveau geste antisportif lors d'un match amical qui a failli dégénérer en bataille entre les joueurs. Cependant, selon plusieurs sources médiatiques, Petkovic aurait mis le nom de Belaïli dans la liste élargie et aurait même envoyé un émissaire pour observer de plus près les performances de Belaïli avec son nouveau club. Cet intérêt peut démontrer une volonté du sélectionneur de donner une nouvelle chance au joueur, à condition qu'il montre des signes de régularité et de professionnalisme dans ses performances. Le cas Belaïli serait donc en suspens. D'un côté, son expérience pourrait apporter un plus à l'équipe, notamment dans les situations où l'Algérie pourrait avoir besoin d'un joueur créatif capable de débloquer un match. De l'autre, la gestion de sa mentalité pourrait s'avérer délicate pour Petkovic qui ne badine pas avec la discipline.